Voilà comment j'ai dessiné Maison Ronde. Comment j'ai dessiné Maison Ronde? Alors j'ai eu l'opportunité par les éditions d'Argo et Radio France d'avoir un badge qui m'ouvrait quasiment toutes les portes. Alors du coup, j'ai décidé de me mettre en scène avec mon badge, la plupart du temps, et mon petit carnet, parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai procédé pendant toute mon immersion qui a duré une petite année, même une grosse année, on peut dire ça, du mars 2019 au printemps 2020. Et grâce à ce petit badge là que j'arbore autour du cou, j'ai pu m'infiltrer un peu dans toutes les couloirs et toutes les émissions, mais pas que, aussi les orchestres, la discothèque de Radio France, enfin tout ce qui fait un petit peu la maison et son histoire. Donc j'ai beaucoup erré dans les couloirs, et de temps en temps, je me permettais de rentrer en régie. Alors je vais tenter de dessiner la régie, même si globalement c'est quand même quelque chose de compliqué à dessiner la régie, parce qu'il y a beaucoup de petits boutons. Alors les techniciens ou techniciennes en plein travail. Donc l'idée c'était quand même d'avoir beaucoup d'observations dans un premier temps, et ensuite d'essayer de retranscrire de manière totalement subjective mon ressenti sur le fonctionnement de la maison et sur la richesse et la diversité de la maison. Donc l'étape de mixage, extrêmement difficile à faire, mais je vais le faire quand même, avec plein de boutons dans tous les sens que seuls les techniciens ont le secret, savoir à quoi ça correspond. Donc j'ai pour habitude de dessiner plutôt à main levée dans mes carnets, et ensuite je redessine en essayant de mettre un petit peu en situation, mais je garde cette espèce de trait le plus vif et le plus spontané possible, parce que je trouve que c'est là que c'est le plus vivant. Un petit haut-parleur par ici, parce que le son, c'est ce qui fait la radio, par définition. La grande vitre qui donne sur le studio. La maison de la radio, c'est comme un... Ce que je mets dans le livre, c'est que c'est une sorte de tourbillon où plus on y va et plus finalement on a envie de voir un peu plus loin. On a envie de... À chaque fois, on se rajoute des choses à voir, des choses à faire. Et c'est difficile de trouver une surprise parmi toutes celles que j'ai eues. Mais là, si je dessine la régie, c'est parce que à chaque fois que j'étais un peu en panne d'inspiration, c'est vers la régie que je me tournais. C'est là où il y a le plus de... Où il se passe toujours quelque chose, en fait. Donc, je sais pas si je pourrais retenir une seule chose de la maison de la radio, sauf peut-être la vie en régie et l'orgue, parce que l'orgue c'est quand même un truc que je pourrais pas redessiner à main levée d'ailleurs. Là c'est des petits parsons, là. Petites alvéoles dans le mur. Chou.